C'est dans la cour ovale du château de Fontainebleau que les personnels du Centre National des Sportifs de la Défense se sont rassemblés le 30 juin 2011 pour les adieux aux armes du général de brigade Jacques Renaud. Commandant le CNSD depuis 2007, le général est revenu sur son parcours militaire. C'est le plus beau métier, commander les hommes, pour moi en tout cas. Que ce soit au 2e de marine, j'ai commandé, au 3e de marine, 2e de marine, ici au CNSD. Présidée par le général de corps d'armée Bruno de Saint-Salvi, la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux invités et sportifs de haut niveau. Ce fut l'occasion pour le général Renaud et les athlètes d'évoquer les temps forts et les anecdotes de leur collaboration. Quelqu'un quand même de très 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 engagé, de très investi et vraiment passionné de sport. Donc voilà, c'est un honneur aussi de pouvoir être là aujourd'hui et pouvoir lui rendre un hommage avant son départ en retraite. Je pourrais prendre le cas d'Alain parce que je l'ai décoré de la Légion d'honneur au mois de novembre 2009. Puisqu'il était champion olympique, ça n'avait pas été fait, c'est moi qui l'ai fait. De très bons moments, il a été très présent avec nous, il s'est déplacé de nombreuses fois sur les courses et voilà, il partageait aussi à la fois cette passion du sport mais aussi militaire, donc de très bons moments et je pense que ça restera un ami. La médaille d'or de Jean-Baptiste Grange à Garmisch il y a quelques mois, c'était quand même fabuleux parce que ça se joue à des dixièmes, des centièmes de seconde. Et il est champion du monde de slalom, ce qui n'avait pas été le cas depuis 29 ans, je crois. Le général Renaud cède désormais sa place au colonel Boyer, à la tête du CNSD. Prochain grand rendez-vous pour les sportifs, les 5e Jeux mondiaux militaires d'été à Rio de Janeiro, au Brésil, du 16 au 24 juillet 2011. Souhaitons bon vent et bonne retraite au général Renaud.